Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un processus de journal créatif que j'ai fait pour donner la parole à mes sous-personnalités. Et pour commencer, vous pouvez rassembler du matériel qui vous plaît. C'est un processus qui pourrait se faire avec vraiment très peu de choses, mais moi, j'avais envie d'y mettre des couleurs et surtout, comme vous voyez ici, de la gouache, quelque chose pour travailler avec de l'eau. Voilà. Avant de commencer, l'idée ce serait de se centrer et de se demander quelles sont les parts de nous, un peu comme les facettes de nous, qui nous ont perturbés et embêtés dans les derniers jours. Moi, c'est dans cette intention-là que j'ai fait ce processus, parce que je sentais que j'avais à l'intérieur de moi des parts de moi qu'on peut appeler des parts d'ombre ou des parts que j'accepte moins, qui se manifestaient très fort dans les derniers jours. Alors, si vous voulez pas le faire de façon très sérieuse et dramatique, vous pouvez leur donner des petits noms comme dans ces petits livres. Moi, je les appelle beaucoup Madame ceci, Madame cela, mais ça peut aussi être des prénoms que vous leur donnez. Alors, pour commencer, vous pouvez tracer un cercle et mettre une ligne comme un horizon. Et commencez à tracer des lignes qui partent du centre de cercle avec en dessous du cercle, on va dire, les parties de vous auxquelles vous pouvez donner des noms qui sont pour vous les moins acceptables, on va dire, entre guillemets, et au-dessus, celles qui sont plus valorisées par vous-même et ou par la société, comme vous le souhaitez. Et du coup, vous allez faire ça. Moi, ça m'a pris 10 minutes environ de prendre le temps, de me centrer. Parfois, j'avais besoin de faire une pause. Et puis de me dire quelles sont les parts de moi que j'identifie, qui sont comme, oui, des facettes de moi, comme si j'étais une boule à facettes. Et donc, je peux vous donner des exemples. Il y a d'un côté, plutôt sur le côté du haut, de la moitié du haut. Madame confiance en la vie, ou Madame ouverte, ou Madame calme, Madame optimisme. Et puis en dessous, il va y avoir Madame asociale qui a envie de voir personne, etc. Donc une fois que vous avez fait le tour des sous-personnalités ou des parties de vous-même que vous identifiez, vous pouvez continuer les rayons et marquer de l'autre côté quelle serait d'après vous la partie ombre hein, ou la partie inverse, lumière ou ombre, bref, yin-yang, si c'est une partie du haut, mettre celle qui correspond en bas. Et vous n'avez pas, il n'y a pas quelque chose qui est juste ou pas juste, c'est selon ce que vous allez trouver, vous, comme façon de les appeler. Et moi, j'ai eu envie de passer après pour unifier, commencer à unifier, passer de la gouache sur ces traits qui vont au-dessus et en dessous de l'horizon. Et pour commencer à déjà créer un lien et moins les opposer dans un sens. Si on a le jour, c'est parce qu'il y a la nuit, etc. Être dans quelque chose de plus complémentaire et intégré. Voilà. Donc tout ça, cette partie-là, moi, elle m'a pris à peu près 10 minutes. Donc vous pouvez vraiment mettre sur pause et puis prendre tout le temps dont vous avez besoin et ensuite regarder tranquillement l'ensemble. Ce que je vous propose dans une deuxième étape, c'est de observer quelles sont peut-être une, deux ou trois sous-personnalités ou parts de vous qui vous posent problème en ce moment. Et vous pouvez les dessiner, leur faire des bulles, voir quelles sont les couleurs, les formes qu'il y a dans leur tête, dans leur cœur. Pour moi, quand j'ai fait cet exercice-là que j'ai filmé, il y avait Madame panique absolue à gauche et Madame négativité à droite. Et ensuite, j'ai eu envie de leur faire une pancarte, comme dans une manifestation, avec un titre. Et elle disait, on a le droit d'exister aussi, vous voyez, ici. Voilà. Et ça m'a pris à peu près 5 minutes, mais ça pourrait être plus long. Et enfin, en troisième étape, et là, vous pouvez prévoir vraiment 10 minutes, ou plus, ou moins, hein, c'est des temps indicatifs, eh bien, ce sont ces deux sous-personnalités, ces deux facettes de moi qui m'ont écrit, qui ont écrit leur manifeste en fait, leur droit d'exister,
Elles ont écrit d'abord en leur nom commun, voilà, et je tournais la page régulièrement pour les re-regarder, m'imprégner de leur énergie et de ce qu'elles avaient à me dire. Et ensuite, elles ont chacune écrit en leur nom propre. Par exemple, là, je suis en train d'écrire, moi, Madame Panique Absolue, j'ai les droits d'exister, je fais aussi partie de la vie et mon message pour toi, Anne-Sophie, c'est que ta ta ta. Donc, en fait, elle m'a donné son message. Et puis, elle m'a aussi donné comme un cadeau. Vous allez voir qu'en fait, j'ai eu besoin sur la page d'en face donc, de dessiner un cadeau parce que derrière les difficultés et l'inconfort que je vis avec elle, eh bien, il y a un cadeau. Voilà. Et je suis émue rien que d'en reparler. Voilà. Et puis ensuite, il y a Madame Mes Négativités que je suis retournée aller voir qui me dit j'ai le droit d'exister aussi. Et puis elle râle un peu, elle me dit des choses et puis voilà. Et elle m'explique qu'elle est une amie de la colère et qu'elle a aussi un message pour moi. Et elle me donne pas un cadeau, et puis ce sera personnel pour chaque personne. Elle me donne des bons, comme des bulletins d'autorisation, ou des bons à utiliser autant que je veux et des bons illimités. Vous allez voir que la quatrième partie, ça va être de prendre du temps pour voir quels sont ses cadeaux, ses bons, ses permissions ou ses besoins, en fait, comment répondre aux besoins qui sont cachés dans ces messages de ces facettes de nous. Donc j'ai appelé la quatrième partie les cadeaux. Et donc elle me donne des droits de dire non, stop, etc. Et pour chaque personne, selon le dialogue ou le message de vos facettes de vous, ça va être une chose spéciale qu'elle va vous donner, cette part de vous, et laisser surgir le cadeau qui vous est offert. Et puis là, vous pouvez relire, souligner, etc. Et puis mettre de la couleur parce que et terminer la lettre, terminer à votre façon. On est déjà dans un début de bouclage de tout ce processus qui prend une trentaine de minutes, je pense, au total quand même. Et donc moi j'ai eu besoin et envie de mettre des couleurs gaies, des couleurs qui me plaisent et qui me font du bien dans la partie cadeau, on va dire, des pages. Et puis j'ai senti que ça me faisait du bien, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de filmer et de partager ce processus. Et vous pourrez me dire si ça vous a fait du bien. L'idée ensuite, c'est de boucler le processus justement, vraiment prendre un temps formel et ça peut prendre une, deux, 3 minutes. Par exemple, en passant du temps et en regardant la page telle qu'elle est, en respirant dedans, et puis en repartant depuis le début, en se disant, tiens, je suis allée voir un peu cette roue des facettes de moi, on aurait pu le dessiner comme une boule à facettes. J'ai extrait une, deux ou trois sous-personnalités qui avaient besoin de s'exprimer et qui me dérangeaient, et puis je les ai laissées s'exprimer, et c'est ça la magie du journal créatif quand même, c'est de laisser un espace d'expression, pas seulement dans notre mental, dans notre tête, ou même dans parfois l'expression des émotions qui peuvent passer par les larmes ou autres, mais vraiment sur la page aussi. Compléter, c'est une façon de se poser sur la page. Et donc boucler le tout processus tranquillement et buvez un verre d'eau, soyez douce avec vous-même. À bientôt pour de nouveaux processus.